Le signal radio, commandant. Toujours aussi faible. Oubliez-les. Nous, on doit trouver les guêtres. Ah, je ne peux pas faire ça, Vrex. Je suis désolé, ça n'est pas possible. Je n'abandonnerai pas les gens. Ah non, mais attends, oui. Là, ils veulent qu'on y aille comme ça. Stop! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils ne sont pas morts, mais les guettes ne les ont pas épargnés. Oui, ces saloperies synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe Exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la colonie. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le 1000 d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Juliana, où se trouve votre fille? Quelque part à l'intérieur du complexe Exogénie, enfin, j'espère. Comment avez-vous été séparés de la colonie de Zeus Hope? Nous vivions presque tous près du complexe Exogénie. Zeus Hope servait surtout de spatioport. L'attaque des guettes nous a éparpillés. Jusqu'à votre arrivée, nous pensions être les derniers survivants. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicule et l'autoroute n'offre aucune protection. Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable, peut-être. Le mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Quelle est la fonction du complexe? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'Exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Féroce est loin de donner satisfaction. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... On s'est enfui quand les guettes ont attaqué. Construire une colonie sans lui donner des mots... J'espère que vous allez nous sortir de ce foutoir. Ils ont... Qu'est-ce qu'on peut... Si jamais je m'en... Vous auriez 2 minutes à m'accorder? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège? Il n'y a pas de piège.
C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Ce qui veut dire qu'on peut sans doute survivre 10 minutes. Très réconfortant, merci. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez? C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Pourquoi êtes-vous installé ici, au milieu de nulle part? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre quatre murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Hop, bah très bien, on a bien fait s'arrêter. Je pensais qu'on récupérerait un accu ici, mais absolument pas le cas. Donc, sans doute plus tard. On verra. Il y a des guettes qui se planquent ici au fond. Attends, c'était ça, ces fameux guettes là que je savais pas où ils étaient. Bah attends. Ouais, du coup, non, j'ai envie de revenir en arrière du coup pour les buter parce que c'est trop dangereux. Silence radio. Des guettes en approche. Silence radio, bordel de merde! Putain, et en plus, il y a un double niveau. Ça n'a pas de sens. À moins qu'il cherche quelque chose. Ça sert à rien. Je les aurais pas comme ça. Allez, on y va. Attends, qu'est-ce que c'est que ça patate? Oula, oulalalala. Attends, il y a plein de zones là. Il y a plein de zones. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a par là? Monde d'ouverture, décryptage simple. Vas-y, fais voir. Ça devrait les ralentir. C'est bien ce qu'il semblait.
Je suis désolée, je vous prenais pour des guettes ou des varennes. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau Guette s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les Guettes. Le problème, ce ne sont pas les Guettes, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les Guettes que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le Taurien. C'est quoi un Taurien ? Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Vous savez où il se trouve ? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver ? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette. J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les guettes sont partout. Parlez-moi de vous. Je ne suis qu'une assistante de recherche d'exogénie. Je suis venue ici avec ma mère. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Elle est avec un autre groupe de survivants. Pour l'instant, elle est en sécurité. Elle est en vie ? Dieu soit loué. Dire que je pensais être la seule survivante. Je vous en prie, commandant, désactivez le champ d'énergie. J'ai tellement hâte de revoir ma mère. Dites-moi tout ce que vous savez sur le Taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien, plusieurs milliers d'années. Je ne comprends pas en quoi le Taurien pourrait intéresser les guettes. Moi non plus. C'est une plante, je ne vois pas ce qu'il compte en faire. Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant en tout cas. Ne bougez pas, je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge, ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Bonne chance. Ennemi neutralisé. Comme tu dis. Allez hop. Saloperie de machine. De bon accès fiche. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Sinon je te fais griller les circuits ! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine ! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. Ouais. Charmant. Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous ? Quelles informations le dernier utilisateur voulait-il obtenir ? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le Taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif ? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hope sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hope et le Taurien ? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hope. Je veux tout savoir sur le Taurien. Le Taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qu'il dissémine provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés
sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hop a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Je comprends mieux maintenant. Il faut prévenir Joker. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Il faut désactiver ce champ et retourner à l'avant-poste. Yves, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Get. Mes données sur les Get sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Que sais-tu sur les Get? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les Get ont déconnecté mes capteurs dès leur arrivée. J'aimerais en savoir plus sur Exogénie. Exogénie Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui dirige cette installation? Qui a organisé les recherches? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale, qui n'en réfère au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Information sur le Taurien. L'espèce 37 a été découverte il y a plusieurs semaines après qu'une équipe d'exploration a été contaminée par des spores dans les ruines proches de Zeus Hope. L'avant-poste a été immédiatement placé sous quarantaine pour étudier l'infection. À J plus 21 jours, 58% des colons souffraient de troubles du comportement. À J plus 28 jours, 85%. Quelle est la taille de cette créature? Les analyses indiquent que le taurien est une créature diffuse dont les capacités de réflexion sont concentrées dans de grands amas nerveux. Il peut recevoir des informations sur des kilomètres grâce à un réseau de filaments. Nous avons découvert des amas d'approximativement 1 mètre de diamètre, mais il semble insuffisant pour coordonner l'énorme potentiel sensoriel de la créature. Hypothèse 1, les informations reçues sont traitées très lentement. Hypothèse 2, il existe un amas nerveux beaucoup plus important que ceux que nous avons rencontrés. Quelle est la taille de cette créature? Les analyses indiquent... Ah non, attends. Hypothèse 1. Les informations reçues sont traitées... Quel est son degré d'intelligence? On peut dialoguer avec? Le taurien ne présente pas le comportement habituel d'un prédateur. La dissémination de ses spores est un acte de survie et pas une agression volontaire. Il provoque des comportements évolués chez les humains qu'il a servis. Mais il nous faut encore découvrir s'il reconnaît ou est capable de reconnaître les humains comme autre chose que les outils. Cette espèce ne s'inscrit dans aucune taxinomie actuelle. Comment la créature contrôle-t-elle ses esclaves? L'assujettissement de l'individu se traduit par l'induction d'une violente douleur si les directives de la créature sont ignorées. L'effet est suffisamment violent pour que la victime soit rapidement conditionnée contre toute velléité de rébellion. Les observations suggèrent que le taurien perçoit ses esclaves comme des éléments fonctionnels. Il prend soin de ne pas les blesser, de la même manière qu'un artisan évite d'endommager ses outils. Tant que ceux-ci n'agissent pas à l'encontre de ses objectifs, il les laisse mener un simulacre de vie normale jusqu'à ce qu'il ait besoin d'eux. Où se trouve le centre de cette chose? Le taurien est présent sous la forme d'un réseau de filaments sous une grande partie de la surface de Féros. L'observation des sujets asservis suggère l'existence d'amas nerveux principaux auxquels sont affectés les esclaves. Malheureusement, quasiment aucune observation directe de l'espèce 37 n'a pu être effectuée. Je voudrais accéder à mon dossier personnel. Lisbeth Bainham, assistante de recherche, division biomédicale, autorisation de sécurité niveau 4. Vous êtes actuellement en mise à pied par suite de désaccords avec la direction sur la politique de la société. Cette sanction pourra être levée si votre prochaine évaluation est plus satisfaisante. Quelles sont les raisons de ma mise à pied? Vous avez été classée hostile au projet Zeus Hope. Plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des colons contaminés. Vous avez donc été chargé de la surveillance des colons pendant leur période d'observation. Ça suffit pour l'instant. Préparation à la mise en veille. Ces griffes ont l'air de servir à accrocher le vaisseau à un bâtiment.
Décidément, les guettes manquent de subtilité. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau? Il nous faudrait un moyen de le bouger. Vérifions les autres griffes. Il y a forcément une faille quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu cet endroit? C'est comme si les guettes s'étaient aménagées un genre d'église. Ouais, bref. Je suis pas là pour faire de l'anthropologie. Moi non plus. Allez, trace. Forcément avoir une réponse un peu plus loin. Ennemi neutralisé. Ça mène où ça? Niveau supérieur. Il y a deux niveaux supérieurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Déjà l'aérien est en bas. Alors il y a un niveau supérieur, ça me mène à un truc normal. Voilà, ça c'est la suite, donc du coup on le fera après. Je vais aller voir l'autre niveau supérieur. Périmètre nettoyé. Les fameuses données de Galvin. Ok, bon, on a donné les données de Galvin. Alors je sais toujours pas où est-ce qu'on chope la cul. Donc à mon avis j'ai dû le rater dans la zone précédente, là où on a récupéré la flotte et la bouffe là. Hop là. Ça veut dire qu'il y en a encore. Non? Ok, bon, c'est les données. Le journal pour la quête. D'accord. Même topo. On n'a pas le matériel pour détruire cette griffe. Continuons les recherches. Pensez-vous, commandant? On dirait une sorte de laboratoire. J'aurais préféré une arme pourrie, mais l'essentiel, c'est de détruire une griffe pour faire dégager le vaisseau. C'est effectivement l'essentiel.
Oula, attends. Attends, j'ai pas compris les instructions. Je voudrais les relire. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ah merde. Ouais, j'ai trop passé. Voilà. Très bien, la sortie devrait être ouverte maintenant. On peut faire demi-tour pour s'occuper du Taurien. Bon, ça, c'est fait. Une bonne petite fête d'ultra-violence. J'adore. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker? Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions Get fusent dans tous les sens. Cet endroit va grouiller de Get d'ici quelques minutes. Si on reste en groupe, on s'en sortira sans casse. Il y avait quoi par là? Je viens de pas les vérifier. Voilà. Un petit coffre. Merci. Hop, on peut s'en aller. Vous voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le Taurien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zeus Hope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée, juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi sa reine s'intéresse-t-il au Taurien? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions Get. Il se dirige vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait.